Bonjour à tous les amis, c'est Tadaoussou. On se retrouve aujourd'hui pour une petite après-midi stream and chill sur GTA Online. C'est incroyable ce qui se passe sur Tadaoussou Gaming cet après-midi. Je relance GTA Online, franchement, sans mentir. Je crois que ça devait faire au minimum 3 ans que j'avais pas relancé GTA Online. J'ai fait toutes les mises à jour, ça m'a pris 3 jours. Et voilà, j'ai vu un petit peu dans les grandes lignes la nouvelle mise à jour sur Dr. Dre. Je suis un grand fan de rap américain, je suis un grand fan de Dr. Dre. Donc franchement, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Après tout, on n'a pas eu de mise à jour sur Red Dead Online, on n'a pas eu de contenu, on n'a pas grand chose à faire d'un point de vue jeu vidéo ludique en ce moment. Donc pourquoi pas relancer un petit peu GTA et se lancer, se faire un petit peu ce DLC. Et quoi de mieux pour ça que, bah, pourquoi pas, voilà, hein, le faire un petit peu sur Twitch. Alors, je vais être méga rouillé, je sens que ça va être un carnage, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, je vais vous faire un petit peu le tour si j'ai l'occasion aussi, pourquoi pas, de mon ancienne vie, parce qu'il faut savoir quand même que je suis un ancien addict à GTA Online. J'y jouais pendant des années, littéralement, non-stop et exclusivement à GTA Online, de la sortie de GTA Online déjà en 2013. Incroyable, quand j'y repense, je me dis putain, c'était il y a tellement longtemps que j'ai l'impression que c'était une autre vie, tu sais. J'étais complètement, enfin bref, je vivais pas dans. Je vivais pas dans la même zone, etc. Je vivais encore en France à l'époque actuelle. J'étais en train de déménager en Espagne, justement. Salut Tipus, ça va? Tu vas bien, mec? La forme? Comment vas-tu? Et bref, et donc voilà, c'était il y a tellement longtemps, en fait, que ça me semble complètement incroyable. Et j'ai l'impression que c'était il y a une autre vie. Donc voilà. Donc ouais, donc comme je vous disais, j'ai joué non-stop quasiment. Pendant 6 ans, à savoir donc de sa sortie en 2013 jusqu'à la sortie de Red Dead Redemption 2, plus ou moins, en fait, c'est ça. C'est ce qui a signé vraiment l'arrêt pour moi de GTA Online, mais je joue à GTA Online de manière régulière, quasiment tous les jours. Les seules fois où je jouais pas, c'était quand je partais en vacances ou un truc comme ça, ou quand je partais en week-end. Mais sinon, c'était vraiment du tous les jours, tous les soirs, à minimum 2 heures sur GTA Online, en train de grinder. Donc, j'ai un personnage qui est très, très haut niveau et j'ai un gros, gros paquet de thunes dans GTA Online. Mais donc, voilà. Donc, je vais vous montrer, je vais vous présenter un petit peu tout ça, bien évidemment. Allez, c'est parti. Je vais passer en full screen. Par contre, je me souviens absolument pas. Enfin, je me souviens de pas grand chose en fait. Je me souviens pas, même les touches limites et tout. Je crois que je vais confondre avec Red Dead. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ce qu'on peut. On va faire du mieux qu'on peut. Et on va essayer de se remettre un petit peu dans le bain. Donc voilà, ça va, Tipus, la forme, toi, de ton côté, tout va bien? T'as déjà joué, toi, Tipus, à GTA Online ou pas? Ou jamais de la vie. Tiens, regarde, allez, vas-y. Regardez déjà ce beau personnage, ça vous change de Diego, hein, je suppose. C'est Diego, mais dans la version GTA. Diego, version Los Santos. Et voilà, quoi, c'est une racaille, tu vois, le mec. C'est un gangster, quoi. Je me rappelle même plus, tu sais quoi, quand j'ai lancé la partie tout à l'heure, j'ai dit, ah ouais, quand même. Ça change de Diego, tu sais. Ah, il n'y a plus le sombrero, là, il n'y a plus les Santiago, il n'y a plus rien de tout ça. Là, c'est le... C'est le gangster pur et dur. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'ait pas une chaîne. Je pensais que je lui avais mis une chaîne, mais bref. Donc voilà, on est dans son bunker à l'heure actuelle. Dans son bunker de vente d'armes. Et je suppose qu'on va pas tarder à recevoir un coup de téléphone de la part de notre ami Lamar pour ces histoires-là de nouveaux DLC. Ah, tu es dessus actuellement, t'y pousses, ok. Et tu avais déjà joué avant ou tu t'es lancé dessus? Je me rappelais plus que tu avais joué déjà à GTA Online, Tipus. Alors, attends, un petit truc. Normalement, voilà, je me suis mis sur une session publique, j'ai fait le glitch. J'ai fait le fameux glitch du MTU sur PlayStation qui fonctionne. C'est-à-dire que je suis sur une session publique en solo à l'heure actuelle. C'est histoire de pas être emmerdé, parce que là, je vais avoir besoin de temps pour m'y remettre dedans, etc. Donc, le dernier truc dont j'ai besoin, c'est d'avoir des mecs qui me bombardent dessus à coups de canon orbital. Donc, voilà, donc on va reprendre ça tranquille. Donc voilà, donc là, ouais, là, ça, c'est son, voilà, donc Diego, faut savoir que c'est quand même un gros crack, c'est un gros mafieux de base,
Et il a tu jouais dessus déjà avant, ok, d'accord, t'y pousses. Mais du coup, toi, t'es sur Xbox, je suppose, alors que là, moi, je suis sur PlayStation. Tu vois, c'est la différence principale, on va dire. Mais donc voilà, oui, donc Diego est un gros mafieux, comme tout bon personnage qui se respecte dans GTA Online. Et je vais vous faire un petit peu le tour si j'ai l'occasion de tous ces lieux de production, etc. Le mec, attention, il est dans le système jusqu'au cou, il est mime, il n'a pas une main, il n'a pas les deux mains. Le mec, il trempe dedans, enfin, corps et âme, tout ce que tu veux. Donc, bref, voilà. D'ailleurs, au passage, regardez en haut à droite, voilà, ça c'est son compte en banque à Diego. Donc, vous comprenez, je passais des soirées entières à grinder et c'est tout legit, d'accord? Je tiens à le dire, je tiens à le préciser, il n'y a aucune triche là-dedans, je sais même pas compter tellement il y en a beaucoup. 357 millions, je pense que c'est ça. 357 millions, voilà. Tout est fait de manière complètement legit et à l'époque avec les business de bikers, le fameux bunker, etc. etc. Donc voilà, il y a aucun moment j'ai glitché, à aucun moment j'ai profité d'exploits ou de trucs comme ça. Donc voilà, et niveau 643, c'est bien ça. Donc vous voyez, Diego, c'est une grosse ponte de Los Santos, ça rigole pas du tout. Et du coup, toi, t'y pousses de ton côté. T'es même pas à la moitié de ce que j'ai. Toi, du coup, de ton côté, t'y pousses. Tu l'as testé la mise à jour là, avec Dr. Dre? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'est sûr, c'est pas Red Dead. Hein. C'est pas Red Dead. Ah, tiens, qui c'est? Ouais, je me rappelle que j'ai un yacht. C'est quoi le truc sur le yacht? C'est pas le truc, c'est pas le, c'est pas Caio Perico le yacht, non? Si? Je me rappelle plus ce que c'est, mais bref. Oh putain, ça fait du bien. Oh, ça fait bizarre de se retrouver à Los Santos, les gars. Oh, là, je suis en direct, hein, en direct. Hein. Je l'ai pas relancé. Ça fait 3 ans que je suis pas venu ici. Je crois que je connais même pas la map. Ah, j'ai ma moto qui m'attend ici là, mon oppressor MK2. Alors, les icônes radar vous permettre de jouer aux différentes mises à jour ajoutées. Ok, d'accord, donc c'est ça qu'il va falloir que je regarde. Je vais me concentrer sur celle de Dr. Dre maintenant et éventuellement plus tard. Attends, par contre, non, la radio, je la coupe direct. Je veux pas de radio. Parce que sinon, on va se prendre des copyrights. T'es en train de découvrir ça, Tipus, d'accord, ok. Bah écoute, je vais le faire pareil que toi en même temps. Waouh, putain, ça fait tellement longtemps, mec. Oh là là, c'est magnifique. Attends, comment on fait déjà pour lancer le boost? Comment on fait pour booster déjà? Je me rappelle plus. Ah, si, comme ça, d'accord. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, c'est un truc de ouf. Ok. Bon, et ici, donc, du coup, donc voilà. Donc là, j'avais mon bunker souterrain. En fait, j'avais tout rassemblé, mes lieux de production, de manière à être plus efficace après, tu vois, quand je grindais. Donc, par exemple, ici, j'ai le bunker là comment s'appelle le casse de la fin du monde, Doomsday Heist, qui était très très bien, j'ai vraiment kiffé celui-là. Ensuite ici là, j'ai mon business de méthamphétamine ici dans ce hangar rouge là, un petit peu. Ensuite j'avais là-bas mon lieu de production de fausse monnaie ici là. Voilà, juste ici. Ensuite, j'avais le truc de cocaïne là-bas. Il est juste ici, le truc de cocaïne. Voilà, tu le vois ici sur la minimap, là, en bas à gauche. Il est là, tac, dans ce petit bâtiment. C'est le plus rentable, hein, des lieux de production de bikers, le truc de cocaïne. Alors, ensuite, j'avais mon QG de biker. Ah, lui, il était là-bas au fond. Et il était pas très loin de mon usine de weed. Parce que j'avais aussi la weed. Et après, j'avais les faux papiers. Mais alors, les faux papiers, ils étaient où? Ils étaient dans le centre, je crois. Mais il était pas très rentable, celui-là, le business des faux papiers. Donc, je crois que je l'ai désactivé, en fait. Je crois que je l'utilisais pas, je le faisais pas tourner. Punaise. Franchement, c'est ouf. Ça me fait quelque chose. C'est quoi d'y revenir dessus après tant de temps là?
Je pensais que j'allais jamais le relancer en vrai. Voilà, c'est ici, ça c'était mon QG de biker. Donc, je sais plus trop à quoi ça servait le QG de biker. Peut-être à lancer des missions spéciales de biker. Et là, il y avait mon usine à weed. Ah tiens, vas-y, on va aller faire un tour. On va aller regarder un petit peu l'état des plantes. Ça fait 3 ans, mec. J'espère que le jardinier est pas encore arrosé parce que sinon, ça va être une friche, le truc. Mais voilà quoi. Vis ma vie de gangster sur GTA Online. Ça s'est pas arrangé les temps de chargement, hein. Donc voilà. Voilà ma petite usine de production. C'est évidemment, c'est tout. C'est pour la consommation personnelle de Diego, hein. Il y a rien, y a aucun business illégal là-dedans. Je compte sur vous pour me croire là-dessus. Et donc voilà quoi. Alors, du coup, il m'a toujours pas appelé Lamar là, je sais pas trop comment je vais faire. Salut Jean-Marc, ça va? Tu vas bien? La forme. Je suis en train de faire une petite session nostalgie sur GTA Online là. Et on va aller découvrir aussi le nouveau contenu là, la nouvelle mise à jour. À savoir, donc c'est la mise à jour avec Dr. Dre. Ah tiens, il y avait la discothèque aussi qui est là-bas au fond. Oh ouais, c'est beau ça. Alors attends, je crois qu'elle allait plus vite si on rasait le sol, là, oppressor. Donc je vais. De mémoire. Siméon, c'était qui lui? C'était le mec du garage, je crois. Alors attends, ouais, donc du coup il y avait aussi la discothèque, c'est vrai. Ah oui, il y avait le hangar là-bas, je le vois sur la map là. Ça y est, je commence à me rappeler petit à petit de un petit peu tout ce qu'il y avait. Il y avait la discothèque, il y avait le hangar où j'avais tous mes avions dedans. Ah ouais, j'avais une collection d'avions de malades, d'avions et d'hélicoptères. Je vous montrerai ça plus tard, mais là j'aimerais bien commencer en fait avec ce nouveau DLC. Et pour voir ça, j'avais aussi mon bureau de PDG, on le voit ici là sur la minimap, la petite icône du bâtiment là. Mais ouais, je vais aller me poser sur le toit. Je faisais toujours ça. Tu sais, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien aller me poser sur le toit de mon bureau de PDG. Et j'ai lancé l'émission de là-bas. Ah, j'avais mon yacht aussi d'ailleurs. Il est où mon yacht? C'est vrai ça. Pourquoi il est pas visible? Normalement, il est visible sur la map. Tous les trucs verts aussi, c'était mes maisons là. Tu vois, toutes les petites icônes de maisons vertes là, c'était des appartements à moi aussi. J'avais la totalité, hein, je les avais tous. Mais voilà, alors attends. Ouais, je vais aller me foutre sur le toit là-bas et je vais aller regarder un peu dans les menus, voir si ce qu'il faut faire pour la lancer. Parce qu'en fait, il m'a pas appelé Lamar. Notre cher ami Lamar là. Alors on pouvait y rentrer, on pouvait y accéder par les toits. Ça, je me souviens. Alors, attends, comment on fait pour freiner déjà comme ça? Facile. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Non, là, obligé, là, quand même. Obligé, obligé. Putain, je viens de me souvenir que j'avais mes garages aussi à l'intérieur du bureau de PDG. Donc, obligé, je vais vous faire un petit tour de garage, là. Salut, Maga, ça va? Tu vas bien? Bienvenue à Los Santos. Merci, merci. Alors, welcome back à Los Santos, Maga, hein, parce que j'étais en train d'expliquer justement avant que tu rejoignes là que j'ai joué pendant 6 ans non-stop à GTA Online. Donc voilà, c'est pas nouveau pour moi, mais en tout cas ça fait 3 ans que j'ai pas joué. Là, ça me fait vraiment bizarre. Là, je me souviens même plus des touches et tout. Alors c'est pour ça que je voulais vous montrer mes garages que j'avais passé un temps fou pour tout agencer, etc. Ah donc, je me rappelle même plus toutes les voitures qu'il y avait dedans pour te dire en fait. Donc je vais le redécouvrir avec vous là, tu vois. Donc ça va être marrant, ça va être sympa. Oh yes, c'est là que tu vois que le mec il a du goût quand même là. Non, regarde, il est pas classe ce petit garage là. Regarde ça, avec la vue ici panoramique sur Los Santos, sur la mer évidemment. Il fait les choses en grand, Diego quand même. Alors ça, celle-là, ouais, elle était magnifique, celle-là. C'était une de mes bagnoles préférées, celle-là. C'est une
imitation de Jaguar, c'est la Ocelot, mais je me rappelle plus du nom, comment on fait pour voir? La XA21, magnifique, tu sais, en mauve spinnaker comme ça là, magnifique, super. Je vais la prendre, je crois, après. Ça, c'était la Italy GTB Custom, que je kiffais aussi énormément, je la trouvais très très belle cette voiture. Derrière, c'est la mythique qui, pendant des années, est restée la meilleure voiture de GTA Online. Ça va toi, Maga? Tu l'as testé la nouvelle mise à jour, justement, de ton côté? Ou pas? Ça, c'était donc la prochaine, la T20, qui a été pendant des années la meilleure voiture du jeu. Et c'est toujours, je pense, même probablement à l'heure actuelle, c'est toujours ma voiture préférée. Parce que je trouve qu'à conduire, c'est une merveille, quoi. La maniabilité et toute cette voiture, c'est... C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Ça, c'était la ETR1, je crois. Ouais, ETR1. Et bon, pas moyennement fan de celle-là, on va dire. Je l'avais pour la collection, plus qu'autre chose. Celle-là, elle était bien, c'est la Wagner. La Wagner, c'était une des références quand moi j'ai arrêté GTA Online à l'époque. C'était une référence. Ça, c'était la Turismo, donc qui est sortie il y a super longtemps avec les premiers braquages, si je dis pas de bêtises, ou peut-être même un tout petit peu avant. Et j'aimais bien le look, mais après bon, elle est un peu vieillie cette bagnole maintenant. Elle est plus forcément, c'est plus forcément une référence à Los Santos. T'es à 60% de The Contract. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que t'en penses, Maga? Franchement, ce que j'ai vu pour le moment, ça m'a donné pas mal envie. C'est pour ça que je suis en train de le relancer là, tu vois. Ah là, c'était l'étage voiture de rallye. Donc celle-là, je me rappelle plus comment elle s'appelait, mais c'était l'équivalent de la Ford Focus WRC, je pense. La Vapid Flash GT, ok. Qui était un peu chelou à conduire, je dois bien l'avouer. Celle-là, évidemment, c'était la Sultan RS, imitation de... à mi-chemin entre la Subaru Impreza et la Mitsubishi Lancer. Je la kiffe. Celle-là, je la kiffe de ouf. Je la kiffe de malade. C'est une de mes voitures préférées. Celle-là, je me souviens plus laquelle c'était, celle-là. Vapid GB200, ok, d'accord. Imitation de... Je me rappelle plus c'est quoi cette Ford. C'est une Ford. C'est la Ford Escort. Un truc comme ça. Ça, c'était la Stratos. Non, la Tropos. Justement, c'est l'équivalent de la Lancia Stratos. Qui était pas mal, j'aimais bien la conduire, elle avait une maniabilité de malade cette caisse. Ça c'était la Savestra, ok d'accord, je n'ai pas trop de souvenirs de celle-là. Ouais, elle est pas mal, j'aime bien. Et ça, la Micheli GT, ok pas mal, elle est cool, hein, j'aime bien celle-là, je me rappelais plus du tout. J'aime bien sa livrée. Je peux en effet comprendre pourquoi j'avais fait une voiture pareille, tu vois. Et celle-là, je n'ai aucun souvenir. Et j'ai pas dû la conduire beaucoup, celle-là. Je crois que je l'ai prise juste pour la livrer, tu sais quoi. La Retinue. Ok, ouais, je me souviens maintenant. Je suis ravi, c'est une très bonne mise à jour. Tu vas kiffer. Ok, cool. Bah, nickel. Bah, il me tarde de découvrir tout ça, alors, du coup. Qu'est-ce que vous pensez de mon garage, pour le moment, les amis? Et celui-là, c'était quoi? Ah, celui-là, c'était les voitures street. Je me rappelle, c'était les voitures un peu de rue, tu vois, genre tuning, etc. quoi. Need for Speed, tu vois. Alors celle-là, magnifique, l'équivalent de la Nissan Skyline. Magnifique. La Elegy Retro Custom, c'est vrai. Pas mal. Celle-là, ah ouais, c'était une de mes préférées. La Jester Classic, l'équivalent de la Supra. Magnifique, une voiture que je kiffe en vrai. Elle est pas mal du tout. Ça, et ça, c'était ma Sultane, la toute première que j'avais, punaise, je l'avais gardée, elle était 4 portes, c'était un des meilleurs véhicules 4 portes au tout début du jeu. Je l'avais gardée pour la nostalgie, là, purement. Ça, c'était la Kuruma. J'avais pas pris la version blindée, comme beaucoup de joueurs, parce que je l'aimais bien, tout simplement, comme ça, cette Kuruma. Voilà, là, derrière, je m'étais fait plaisir, hein. C'était plus pour la customisation, je pense. 190Z. Celle-là, la Penumbra, ouais, je l'avais faite juste pour le style, parce que c'est pas une voiture qui est terrible, celle-là. Et... Ah ouais, la Blista Compact. Okay. Et je crois que j'ai encore deux autres garages, les gars. Franchement, on va les faire en vitesse rapide, parce que sinon on n'a pas terminé. Ouais, attends, c'est que le début, Maga.
Franchement, un jour je prendrai le temps. Parce que là, tu vois, là, je vais vraiment lancer là. Mais un jour, je prendrai le temps de faire le tour de tous mes garages, de mon hangar où j'avais tous mes avions, etc. Et franchement, tu vas kiffer. Tu vois, j'avais. Ah ouais, il y a encore deux autres garages. Je vais les faire en avance rapide. On va juste courir, on va y aller vite fait. Parce que j'ai même plus de souvenirs de ce que j'avais. Si, j'avais, je les avais ordonnés par. Il y avait les Grotti, il y avait genre les Mercedes, les voitures allemandes, les trucs comme ça. Et le dernier, je me rappelle plus. Ouh, là, c'était les supercars, là, tu vois. Ça, c'est les Lamborghini, ça. Tu vois? Oh, le mec. Ah ouais, la Zentorno, elle était exceptionnelle, cette bagnole. La Torero, c'est genre l'équivalent de la voiture de Lance Vance dans GTA Vice City. Je me rappelle, je l'avais faite comme ça. La Lamborghini Diablo, la Gallardo et compagnie. Enfin, voilà, quoi. Collection de Lamborghini, il y en a de toutes les couleurs. Après, à l'étage, je crois que j'avais les Ferrari, enfin l'équivalent, les Grotti. Oh yes! Alors là, c'est quasiment tout rouge. Oh, putain, mais oui, j'avais oublié celle-là. La Bestia, une de mes préférées. Esthétiquement, je trouvais qu'elle était vraiment très très belle, cette bagnole. Ça, c'était les classiques, là. Testarossa et compagnie. Et celle-là, c'était la Carbonizzare que j'ai utilisée en course pendant longtemps. J'ai gagné des tonnes de courses avec. C'était une de mes préférées. C'était même, je crois que si je devais garder qu'une seule voiture sur GTA, ce serait celle-là par nostalgie en fait. C'était ma toute première bagnole que j'avais achetée, que j'avais customisée, etc. Enfin non, pas ma toute première. Ma toute première supercar. Ma toute première, c'était la Sabre. D'ailleurs, elle doit y être là dans le garage. On la verra après. Ok, celle-là, Italie GTO, pas mal du tout. Et ça, c'était les anciennes. Ah, celle-là, elle était bien, la Casco, là. Ah, elle était cool, celle-là, faisait un bon bruit, celle-là. Elle était cool, j'aimais bien. Et à l'étage, je crois que je devais avoir les Porsche, un truc comme ça. Je pense que c'était les Porsche de mémoire. Ouais, exactement. Tu vois, bonne mémoire. Hein. Enfin, mélange entre les Porsche. Et les BM et Merco. Et Audi. BM, Merco et Audi, ouais. Ok, et sur le dernier, qu'est-ce que j'avais? Je crois que sur le dernier, je devais avoir mes SUV. J'en avais pas beaucoup, j'aime pas trop les 4x4. Donc, le logo. Ah, la GTO ne vieillit pas. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et ouais, donc du coup sur mon dernier, je crois que j'avais probablement, je sais plus trop ce que j'avais sur mon dernier. Je vais découvrir ça avec vous. On fait ça vite fait. C'était le 3, le troisième. Le Fister Growler pour compléter la collection. D'accord, ok, bah j'y penserai, ma gars, je regarderai. De toute façon, j'ai vu, enfin ils ont sorti plein de voitures depuis que j'ai arrêté, donc je pense que j'aurai l'embarras du choix. Ah, les américaines, ah oui, les muscle cars, etc. Donc là, il y a une de mes préférées. Franchement, elle est dans mon top 3 de ma collection. C'est la. Comment elle s'appelle celle-là? La Banshee. La Banshee. Elle n'était pas super en termes de performance, mais esthétiquement, c'est une de mes préférées. Celle-là aussi, là, un peu les vieilles. Comment? Les vieilles Mustang, tu vois? Ça, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé bien. Celle-là, la Sabre. La Sabre Turbo. Magnifique, celle-là. J'avais oublié que j'avais fait celle-là. Oh, elle est trop belle. Ah, je suis en extase devant ma propre collection. Et celle-là, donc, qui était ma toute première voiture du jeu. Et c'est la voiture originale, s'il vous plaît. C'est la première bagnole que j'ai eue dans le jeu, celle-là. La première. Je l'ai trouvée dans la rue. Je l'ai amenée dans mon garage. Je l'ai customisée. Et je l'ai toujours à l'heure actuelle. Une de mes voitures préférées. J'adore la Sabre Turbo. Donc voilà. Celle-là, la Dominator, je me rappelle. Qu'est-ce que j'ai au-dessus? Bah, ça doit être aussi les mus. Ah oui, je sais que j'avais un étage, je crois, Lowrider ou un truc comme ça. Voilà, c'est celui-là. Étage Lowrider, donc les voitures américaines, un peu bling-bling, West Coast, avec les suspensions hydrauliques, etc. Pas mal. Celle-là, je l'ai trouvée dans la rue telle quelle aussi, la verte là. Je l'ai trouvée dans la rue comme ça. Et je l'ai ramenée dans mon garage. Je l'ai même pas modifiée. Rien touché. Ça, c'était la Stallion. Et d'ailleurs, j'ai un emplacement de libre. Tu vois.
Bref, voilà quoi. Quand je veux me la jouer Snoop Dogg un petit peu, tu vois, ben, je prends ces voitures-là. Et enfin, qu'est-ce qu'on avait en haut? Ah, ça, c'était les Aston Martin. Ah ouais. Oh putain, mais bien sûr, j'avais complètement oublié. Alors, celle-là, c'était ma préférée. En vrai, celle-là, c'est ma préférée, la Paria. Je kiffais cette bagnole. Et je vais la prendre d'ailleurs. Je vais la prendre. La Massacro. Ouais. Voilà, ça c'était un petit peu ouais, les genre les voitures anglaises en fait. Tu vois, genre Aston Martin, ça c'est McLaren, ça c'est un mélange d'Aston Martin et de Maserati. Mais bref, voilà, vas-y, allez, je vais prendre celle-là, je vais me barrer et on va essayer d'aller regarder enfin un peu le bruit qu'elle faisait. Ah oui. Je me souviens de ça. Oh là 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 là. Oh putain, ça c'est la nostalgie qui parle là, tu vois. Ça y est, j'ai des paillettes dans mes yeux. Alors attends. Faut que je vois si j'ai perdu la main ou pas. Alors je suis tellement un ancien de GTA que j'ai le frein à main sur le X en fait. Parce que dans les anciens GTA, c'était comme ça le frein à main. Donc moi je l'avais changé comme ça. Oh là 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 là. Ouais, j'ai pas trop perdu la main, hein, en vrai. On verra ça en action tout à l'heure, mais bref, voilà, vas-y, allez, allez. C'est bon, là, ça suffit, Tana. Je vais me garer, je vais aller regarder la map et où est-ce que je peux lancer ce... Tu sais comment on le lance, d'ailleurs, Maga, le... Alors attends, ok, j'ai pas mal d'icônes ici sur la map visiblement. Alors ça c'est quoi le B? Non, ouais ok, ça c'était Arena War, ça me disait pas du tout. Le G c'est quoi? Gérald's Last Play, dernier coup? Ah bon? Ok. Lamar David. Lowrider, comment ça? Il y a encore l'émission de contact de Lowrider, je les avais déjà faites celle-là pourtant. Le S. Saisie de premium de luxe de Simeon, ok. Ma foi. LS, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est l'avant-dernière mise à jour. Voilà, tuning à Los Santos, qui avait l'air pas mal d'ailleurs, qu'il faudrait que je fasse à l'occasion. C'est quoi ces icônes là de Formule 1 là? Ok. Et là j'ai un H. Ah attends, putain. Oh là là, il y en a trop, il y en a trop, mec. Le braquage du Diamond Casino que j'ai jamais fait non plus. Oh putain, mais je suis passé à côté de tonnes de choses là. Et ça, c'est quoi ça, M? Madrazo's Dispatch Service. Pff, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et il est où du coup alors là? Là, j'ai un H ici là. Caio Perico, ok. Mais je les ai tous, mais j'ai pas celui de Dre là. J'ai pas celui de Dre. Tu sais comment on le lance, Maga? Est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un peut-être? C'est peut-être ça, je vais essayer de regarder mon téléphone. Alors attends, est-ce que j'ai reçu des messages peut-être? C'est peut-être ça en fait. Warstock, Maze Bank, affaire du siècle. Atelier, salle d'arcade, complexe, bunker, QG. Non, donc là, il n'y a rien de tout ça. Salon auto de Los Santos, c'est pas ça non plus. Warstock, c'est pas ça non plus. Il faut que tu achètes une agence sur le site Dynasty. Ah, d'accord. Ok, merci, 10 pouces. Donc attends, je vais juste... Ok, non, là, j'ai rien. Et ça, j'ai rien non plus. Donc sur le site internet, je peux y accéder depuis mon téléphone. Et tu dis, c'est le site Dynasty 8. Ok, c'est celui-ci. Accéder au site. Et donc il faut que j'achète un truc comme ça, c'est ça? Alors c'est quoi la différence entre ça, ça et ça? Ah non, d'accord, ok. Ça c'est les centres, c'est les bureaux. Donc les bureaux, j'ai déjà le mien. Et donc l'agence, bah écoute, l'agence. Qu'il y en a que, il y en a quatre? Il y en a d'autres ou pas? Non, il n'y en a que quatre. Ok, alors on va voir quoi en termes d'agence? Ah ouais, d'accord. Donc on va dire ça c'est le billet d'entrée. Ouais, et de base, 2 830 000 pour celle-là.
2 millions, 10 000 pour celle-là. 2 millions, 145 000 pour celle-là. 2 millions, 400 000 pour celle-là. Donc moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est j'aime bien prendre les lieux de production à proximité de là où j'ai déjà tous mes business, on va dire. Et je sais que donc j'ai mon bureau de PDG, il est ici. Ma boîte de nuit, elle est pas loin d'ici, donc je pense que je vais prendre celui-là. En plus, c'est un des moins chers, donc ça m'arrange pas mal. Il n'y a aucune différence, non, je suppose, t'y pousses. En fonction de celui que tu prends, il n'y a que la localisation qui change, mais ça change en rien les. Enfin, le reste, quoi, non? Ça change la vue que tu vas avoir, peut-être. Tu sais quoi? Est-ce que je peux les marquer? Est-ce que je peux les marquer? 2 400 000. Celui-là, c'est le moins cher. J'aimerais bien voir ce que ça donne vu de l'extérieur, en fait. Je sais qu'avant, on pouvait les marquer sur la map, comme ça. Agence. J'aurais bien voulu le voir. Je pense que je vois où c'est quand même. C'est pas loin de là où je suis en plus. Ah ben c'est ça là. C'est ce bâtiment-là, je pense. Ah oui, franchement, je trouve pas mal moi ce bâtiment. J'aime bien l'entrée et tout, tu vois. T'as pris lequel toi, t'y pousses? Salut Nidbal Manga, ça va? Tu vas bien? Comment vas-tu? T'as pris lequel toi, Tipus et Maga? Vous avez pris lequel les deux des bâtiments? Parce que celui-là, tu vois, je trouve il est pas mal. J'aime bien l'espèce de petit parvis devant, tu vois. Il y a une espèce de petit espace ici où tu peux sortir fumer ta clope tranquille, tu vois. T'es à l'abri de la pluie si jamais il pleut. Que je pense que c'est celui-là. Hein. Bah franchement, je crois que je vais prendre lui. Je crois que je vais prendre le moins cher. Parce que. Ouais. Parce que du coup, si je suis là, voyons voir en termes de. Bon, je suis pas très loin, je suis pas si loin que ça de ma discothèque. Ici, j'ai un garage, visiblement. Ah oui, j'ai un entrepôt, c'est vrai. Ouais, je suis pas très loin de tous mes business là. Donc je trouve que c'est pas mal. L'autre, il est où déjà? Ah oui, l'autre, c'est le bâtiment qui fait l'angle là. Alors attends, je vais essayer d'y aller pour voir, pour comparer un peu les deux zones. Mais j'aime pas trop l'autre en fait. Attends. Je vais retourner dessus. Tac. Agence. Non. Ok. Bon, celui-là, il est peut-être un petit peu trop cher. Franchement, si j'ai aucun avantage à payer 2 400 000. Et celui-là, je vois lequel c'est. Et j'aime pas trop le design du bâtiment, en fait. Donc, je pense que. Waouh, que se passe-t-il? Ouais, c'est celui-là, là, tu vois, voilà, c'est ce bâtiment-là. Et je suis pas trop fan du design de ce bâtiment, en vrai. Donc, après, il est bien placé. Il est plutôt bien placé parce qu'il est vraiment juste à côté, pour le coup, de ma discothèque. Tu vois, ma discothèque, elle est derrière le bâtiment multicolore, là-bas. T'as pris le plus cher, toi, parce que la vue est folle. Ok, d'accord, Maga. Mais bon, moi, en même temps, la vue, je m'en fous un peu parce que j'ai... Enfin, tu vois, j'ai 36 penthouses, enfin, j'ai plein de trucs avec des vues assez stylées. Donc, je sais pas trop ce qui vaut vraiment le coup. Celui-là, il est bien placé, j'avoue, il est bien placé. Il est un tout petit peu plus proche de là où j'ai vraiment tous mes trucs. Après, est-ce que vraiment c'est important? T'as pris le plus cher, toi, tu dis, Maga, et le plus cher, il est situé où? Attends, il est situé où le... Il est dans quel bâtiment en fait le plus cher? Je sais pas. Ouais, je suis pas trop fan, je crois, de ça. Après, ouais, après, écoute, on s'en fout. Je vais aller prendre l'autre là-bas. Oh là là, cette bagnole, mais elle est incroyable.
Il est où le bâtiment? Il est un peu plus loin, je crois. En fait, c'est quoi? Oh, le mec trop indécis. Il est pas forcément très très facile d'accès celui-là. Si? Bah, allez, c'est bon. Fais pas ton feignant. Tu vas économiser quelques dollars dessus. Donc, je vais prendre celui-là. À côté du commissariat vers le casino. Ah oui, voilà, ouais, il est. D'accord, ok, ouais, je vois, ouais. Alors, j'y suis pas encore, hein, Nidbal. J'y suis pas encore. Et là, pour l'instant, je suis en train de le découvrir en solo. Mais éventuellement, pourquoi pas, si je relance plus tard un petit stream, pourquoi pas. Mais là, ouais, là, je fais la découverte, là, tu vois, je vais la faire en solo un petit peu. Mais éventuellement, ouais, pourquoi pas, hein, s'il y a des shows sur PlayStation, pour le coup, carrément. Alors vas-y, donc du coup on va l'acheter. Et non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors ok, donc faites votre choix parmi trois sélections distinctes de peinture, de sculpture et de photos qui devraient vous pousser à vous poser la question, qu'est-ce que l'art ou et où est la limite? Ok. Ok. Je suis pas trop fan de ça, je crois. Et le dernier? Ah ouais, d'accord. En plus, tu payes plus cher, quoi. Franchement, je sais pas, moi. Je crois que j'aime bien celui de base, là, comme ça, non? Je sais pas trop. Je crois que j'aime un sud base, je reste avec sud base, papier peint. Ok. C'est très moche. Mais c'est obligé qu'on ait cette couleur là? Est-ce que si je change l'art, ça me change la couleur du papier peint? Non, la réponse est non. D'accord. Bon. Je vais rester comme ça. Ça, le papier peint. Ça, c'est celui de base. Franchement, il est pas si mal que ça, celui de base, je trouve. Ou alors celui-là. Moi, j'aime bien les motifs floraux un petit peu, tu vois. Mais bon, 400 000 balles le papier peint. Non, mais sérieux, ils sont sérieux, ces gens? 400 000 balles le papier peint, s'il vous plaît. Allez, vas-y, tu sais quoi, on ne vit qu'une fois. On va prendre celui qui nous plaît. Alors, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien le vert. Faut savoir que c'est la couleur de Diego. Le vert. Donc, je vais prendre un truc un petit peu vert, là, comme ça. Je pense. Ça, j'aime bien celui-là, j'aime bien. Je sais pas, elle m'appelle cette couleur, j'aime bien, tu vois. Sauge. Allez, ça va être sauge. Franchement, l'armurerie, non, je vais pas la prendre parce qu'en plus, je pense qu'elle doit coûter une blinde. On est d'accord, 720. J'ai déjà des armureries dans tous mes trucs, donc j'en ai absolument pas besoin. Le logement, ouais, allez, je crois que je vais le prendre, le logement, manière 2. Atelier véhicule, là, c'est pareil, quoi. J'ai des ateliers dans tous mes lieux de production, donc je vais pas le prendre. Vas-y, on va dépenser 2 785 500 dollars. C'est parti. Salut Matt, ça va, tu vas bien? Ah, t'es sur PC toi, Nibdal, d'accord, ok. Dommage, dommage du coup. Bon, et toi, t'en as pensé quoi, Nibdal, du coup, de cette mise à jour là? Comment ça va, Matt? Ça fait une éternité qu'on t'a plus vu sur Tanahsu Gaming, mec. Ça va bien? Bon, comme tu peux le voir, j'ai craqué, j'ai relancé GTA et là je suis en train de découvrir ça. Alors, ça y est, je peux accéder à mon lieu de truc. Donc, allez, on va y aller. C'est parti. C'est quoi? Je crois que je vais couper la facecam s'il y a des.
Ouais, je vais couper comme ça s'il y a des cinématiques. Le mec, c'est... J'espère que tu referas plus cette erreur, mec. Il a vieilli, Chop. C'est une petite référence à Michael, ça. Oh putain la marque. J'avoue, ma gueule. Je suis sapé en ballast, quoi. Attends, je vais me changer après, ma gueule. De l'herbe médicinale. Ça se trouve, elle sort de mes entrepôts que je vous ai montré en début de stream, les gars. C'est qui ça, Tony McTony, quoi? Le bon CBD, ouais. Ah, c'est mec, je te jure. Il me fait mourir de rire, ce con de Lamar à chaque fois. Alors attends, je vais remettre la facecam. Tac, voilà. Bon, c'était pas mal cette petite entrée en matière là. Franchement, j'avoue, ça m'est bien. Déjà, bon, je le savais, hein, j'avais vu qu'il y avait Franklin, mais ça, rien que ça, c'est quand même une énorme surprise. Qu'on ait un personnage du mode histoire dans GTA Online, c'est excellent. Et moi, de suite, j'ai fait le rapprochement avec Red Dead. Et je me suis dit, putain, si un jour il nous sortait ça dans Red Dead. Bon, c'est pas trop la bonne période pour parler de Red Dead, mais voilà. C'est pas mal en tout cas. Alors, Matt, qu'est-ce que tu me disais?
Ah, y a, Nibal, il y a plein de trucs nouveaux dans la nouvelle mise à jour. Il y a déjà y a cette nouvelle trame narrative, il y a, y a des nouvelles bagnoles, etc. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses dans la nouvelle mise à jour. Alors, Matt, tu dis, bah, je venais quelques minutes, mais je parlais pas parce que Red Dead, ils ont abusé ça et ça me saoule. Ok, d'accord. Ouais, bah, je comprends mieux, Matt. Bah, pareil, hein, je sais pas si tu as suivi mes vidéos un petit peu. Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un petit peu l'opinion générale sur Red Dead Online, malheureusement, en ce moment. C'est la résignation et la, enfin, voilà, la déception. T'es dans ma session, tu dis, Matt? Comment t'as fait pour me rejoindre? Ah, bah, non. Parce que je me suis mis en MTU 800, donc tu sais, c'est de manière à être tranquille en fait. Donc normalement, tu peux pas me rejoindre, Matt. T'as pas encore Franklin aussi? Ouais, c'est cool, hein. Ouais, c'est cool, c'est clair, Maga. C'est cool, franchement, j'avoue, c'est pas mal et je m'attendais pas à ça. Ils ont surpris là, je trouvais. C'est cool, tu vois. Alors vas-y, donc on est là-dedans, ici, là, dans le bureau. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ici, là? Je dois m'inscrire en tant que gros bonnet, ok, bon, vas-y. Je vais faire un petit peu le tour de ce bureau. Oh, bah ça va la vue quand même. Tu vas me dire que t'as une meilleure vue que ça, Maga, dans ton truc de PDG? Eh, sérieux, c'est pas mal quand même. Moi j'aime bien ça, tu vois. Des petites vues comme ça. Ouais, c'est cool, hein. Ah, c'est bien. C'est bien fait. Ok, donc visiblement, il y a en dessous, là. Petite plante d'intérieur. D'accord, donc ça, c'est la fameuse tapisserie qui m'a coûté 400 000 balles. Punaise, je te jure. Je crois qu'ils m'ont pris pour un pigeon, les décorateurs d'intérieur, là. Donc là, il y a quoi? On va avoir une salle de réunion, ici. Ok. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est le bureau de notre ami. Quoi, on peut fumer? On peut. Bon, je veux bien. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là-bas? Encore. Oh mais oh, punaise, il y a encore un étage, c'est sérieux. Oh là là. Ok. Alors, étage. Bon alors par contre de voir le verre comme ça et surtout le mélange entre le verre et la tapisserie, c'est dégueulasse. Mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Waouh mais c'est gigantesque mec, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une cuisine, ok, là il y a des mecs qui sont en train de travailler. Il y a d'autres bureaux ici visiblement. Ça c'est une autre salle de réunion. Ah! Est-ce qu'il peut utiliser ça? Ouais, il peut utiliser ça. Allez, on va lui faire se taper une petite douille quand même. Histoire de se mettre dans l'ambiance de du CBD de la mare. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir de beau ici, là? Ah, ça, c'est d'accord, ça doit être la chambre, ça, je pense. Mais non, t'es sérieux? Oh là là, le truc de ouf. C'est gigantesque. J'aurais pas dû me taper cette douille avant parce que là, du coup, ça m'empêche d'admirer un petit peu la perspective. Mais franchement, c'est cool, hein, sérieux. C'est un appartement à part entière, en fait. Est-ce qu'on peut se changer? J'aurais bien voulu le changer puisque tu as dit à fort juste titre que il était sapé comme un ballast. Mais j'ai aussi la tenue Grove Street. Donc, j'aurais bien voulu le changer. Où est-ce qu'il est le. C'est ici, là, non? Ouais, ça doit être ici, je pense. Alors comment on fait déjà pour aller sur les tenues comme ça? Tenue sauvegardée. Voilà, celle-là. Ah, je me rappelais plus que j'avais ça comme tenue, quoi. Ça, c'était ma tenue préférée, celle-là. Vas-y, je vais me mettre comme ça. Allez, hop. Comme ça, on pourra voir son visage en plus. Donc, du coup, par contre, j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. Il est censé m'appeler ou quoi, là? Ou alors, il faut que j'aille sur mon ordinateur, en fait, c'est ça? Non. Je sais plus comment on sort d'ici. Putain, je suis en train de me perdre là-dedans, c'est grave.
Ok. Des portes qui n'en sont pas. Ammunition à domicile, ouais, mais. Enfin, j'ai déjà des armureries dans tous mes trucs, donc. Je pense pas que ce soit ultra nécessaire pour moi pour le moment, mais bon. Je verrai si jamais finalement je me rends. Il y a un coffre-fort aussi? Vide. Bon, il va falloir y remédier là. Alors attends, je vais aller sur mon ordinateur, je pense. Ah oui, il faut que je m'inscrive en tant que PDG ou que motard. Alors, comment on fait déjà? Ok. Bah ouais, carrément, Matt, mais tu vois, vu que je suis en MTU 900, je pense que si je... Si tu me rejoins, en fait, tu vas pas être capable de rester sur la session. Je peux essayer de t'inviter, je sais même plus comment on fait. Attends. Comment on fait déjà pour inviter? En ligne. Est-ce que je peux t'inviter? Vas-y, je vais essayer de t'inviter, Matt, mais je pense que tu vas pas. Je pense que tu vas pas réussir à rester sur la session. Essaye. Et si t'es là, je t'envoie l'invitation. Mais en général, quand tu descends le MTU, t'as. Enfin, tu vois, tu. C'est difficile après de rester sur la même session, quoi. Et j'ai vu là, plusieurs fois, j'ai vu la. La notification comme quoi t'avais rejoint, mais je pense que si tu restes pas, c'est que ça te kick à chaque fois en fait. Alors, voyons voir cet ordinateur. Je vais lancer la première Matt, on essaiera tout à l'heure si tu veux. Ok. Ok. Ok, donc j'ai que ça à faire de toute façon. Attendez, j'ai chaud. Je vais enlever mon sweat pendant qu'il parle. Vite chaud là dans ma pièce. Donc alors ok, donc j'ai l'impression qu'en fait on a des contrats de sécurité qu'il faut effectuer et ensuite ça nous débloque un contrat de VIP. On va essayer. 37 000, 32 000, 39 000. Bah vas-y, on va essayer. Désolé, je vais te couper la parole, Franklin, mais j'ai envie de lancer là. Quoi, je peux pas? Pourquoi je peux pas? Rosalia? What? Oh, mais non, c'est un truc de malade. Rosalia, c'est. Elle est d'ici, elle est de Barcelone. Et quoi, ça veut dire que ça sous-entend qu'en fait, là, le premier truc, c'est avec Dr. Dre, et plus tard, il y aura d'autres artistes potentiellement. Waouh, c'est un truc de ouf. Ok, donc je viens de lancer cette première là. Est-ce que tu as réussi à rejoindre Matt ou pas? Ouais, mais je préfère quand même, parce que franchement, je m'y remets depuis longtemps, Matt, plus tard éventuellement, mais là, ça fait 3 ans que j'ai pas joué à GTA, donc j'ai pas envie de, tu vois, d'avoir des mecs qui me bombardent la gueule ou quoi.
Donc pour au moins pour cet après-midi, tu vois. Je dis pas après peut-être, hein, mais pour cet après-midi, je vais la tenter comme ça, histoire d'être tranquille, tu vois. Alors, il faut que je quitte l'agence. Bah vas-y, on va quitter l'agence. Où sont les ascenseurs dans ce truc? J'en ai ici ou pas? Ok, ça c'est le mec de l'entrée. Non, ça va, merci. Ça va le faire, merci. Passe une bonne journée, Francis. Bon, c'est classe, hein, ça va. Il se met bien quand même, Franklin. Ah, ça te fait quitter, ok, d'accord. Ben, mon pseudo, c'est O.O. Tanausu. Bah tiens, regarde, je te le mets à l'écran, là, attends. Ouais, tu vois, tu l'as en haut à gauche, à l'écran, là. O.O., c'est des O, hein. O minuscule, O majuscule, Tanausu, O.O., pareil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire des petits donuts en attendant qu'il ait fini son speech là. Alors, ok. Il faut que j'aille au Vanilla Unicorn, c'est le club de striptease là. Alors je pourrais tout me faire avec la Oppressor Mac 2. D'habitude c'est ce que je faisais, mais là j'ai juste le plaisir de revenir et la conduite qui est vraiment exceptionnelle quand même. Franchement, il faut le dire, elle est vraiment exceptionnelle. Les sensations que tu as dans la voiture, sérieux, c'est du... Je vais pas dire que c'est du semi-simulation, mais en tout cas c'est très bon, c'est très précis et tout, tu vois. Alors, c'est ici qu'il faut aller. Ok, on va se garer ici, prêt à partir. Je sais pas s'il faut que je prenne une arme ou quoi. J'ai quoi comme arme d'ailleurs? Ah, ça c'était. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'était mes armes préférées, ça. Localiser le coffre-fort, ok. Non mais j'avais oublié qu'on était dans le GTA, tu sais. Le mec il rentre comme ça tranquille, quoi. Ah, par contre c'est lourd la maniabilité en intérieur, j'avais oublié. Ah il est là le coffre. Il est là le coffre, mais attends, j'aimerais bien aller leur péter la gueule à eux d'abord là. On peut pas courir, sérieux? Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah non, non, ça va pas. Sérieux, je peux pas courir à l'intérieur? C'est quoi ce bordel? Et alors le coffre là? Trouver la combinaison du coffre. Et je la trouve où la combinaison du coffre? Pourquoi la même maniabilité est aussi à chier? Ah! Bon ben voilà, c'est fait. Bon, c'est une remise en matière, hein, donc. Merci Matt, ouais, d'avoir mis le. Ouais, ben écoute, je
J'essaye de terminer cette mission tranquille, Matt, d'accord? C'est pas ma priorité pour le moment, je t'avoue, de faire ça. Je veux juste essayer de m'y remettre un petit peu, tu vois. Mais je vais le continuer de toute façon, et donc à ce moment-là, ça pourrait être intéressant, en effet, qu'on joue ensemble. Alors attends. Par contre, c'est vraiment très con qu'on puisse pas courir à l'intérieur du club, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là? Il se relève ou pas? Qu'il est mort, lui, je crois. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller, en fait. J'étais bien, là, non? Elle est où, la combinaison, déjà? Là, il n'y a rien marqué. Elle est où? Elle est planquée quelque part, la combinaison, ou comment ça se passe? Ok, nickel, Nidbal. Vas-y, nickel. Elle est marquée quelque part, la combinaison, ou quoi? Où est-ce qu'elle est, cette truc là? Je sais pas, moi. Elle va être dans les... par ici là? Si on n'a pas vu là. Est-ce qu'elle serait pas, peut-être, je sais pas, moi, derrière le comptoir? Est-ce que j'ai moyen d'accéder derrière le comptoir? On dirait qu'il y a une porte là-bas. Non? Que je peux sauter. Attends. Ah, ok. La combinaison. La porte, celui-là. Ok, allez vite la combinaison du coffre. Quitter le Vanilla Unicorn. Oh putain, d'accord, il y a des bagnoles qui arrivent. Comment je fais pour me barrer d'ici? C'est par ici. Tire-toi. Alors comment je fais pour rentrer dans le bâtiment maintenant? Parce que du coup, j'avais pas regardé ça. Non, c'est pas par là. J'ai pas une entrée de garage ou quoi? Dans ce bâtiment, sérieux? Bon, ok, première mission, allez, c'est bon, c'est fait. Dans le coffre, mets une balle dans le coffre. Salut Kaneki, ça va? Ah, il fallait mettre une balle dans le coffre, sinon aussi, ni de balle. Bon, j'ai pas vu, j'ai raté ça.
Tu dis session pour vous et vos amis, ça marche, Matt? Vas-y, ben, je vais essayer là. Je vais essayer, mais le truc, c'est que. Enfin, je vais pas essayer maintenant parce que si je rechange le MTU, ça va me quitter du jeu, va falloir que je relance, etc. Mais je le ferai pour ce soir éventuellement. Ou... Enfin, pas ce soir, mais pour la prochaine fois quand on continuera. Et comme ça, tu pourras le faire avec moi, Matt. Nickel. C'est bon à savoir, du coup, si on peut le faire en session avec les amis. Ok, bon, la première mission, c'est fait. Alors, franchement, c'était laborieux. Ça faisait 3 ans que j'avais plus fait de mission sur GTA. Mais ça marche toujours aussi bien. Le gameplay est toujours aussi efficace, on va dire. Alors, j'aimerais bien me requinquer un peu là. Vas-y, j'ai vu qu'il y avait la cuisine en haut là. Je vais aller me boire un petit jus. Histoire de. Comment on fait ça là? C'est bon ça? Ça marche ça? Vas-y, bois un jus de limé. Voilà, ok, bien. Alors, je vais essayer d'en lancer une deuxième. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de raie? Alors, du coup, c'est plus tard? C'est plus tard en fait, c'est au niveau des missions VIP, c'est ça qu'on peut enfin travailler avec Dr. Dre. Attends, c'est mon bureau ici. Vas-y, on va enchaîner, hein. Alors. Du coup, je sais pas. J'ai gagné 37 000. Waouh, 73 000, je suis la récupération de véhicule. Vas-y, récupérer un véhicule volé, ça a l'air d'être un job à ma portée, ça, tu vois. Comment ça, je peux pas? Ah, il y a un bref délai. Mais c'est-à-dire un bref délai. Quoi, je peux pas lancer directement là, sérieux? Et de combien il est le délai, vous savez-vous? Ça, c'est très con, ça, si on peut pas lancer là. Bah du coup, si y a un petit délai, je vais peut-être justement remettre le MTU et comme ça, tu peux venir, Matt. On va faire ça, je crois. Tu sais quoi? C'était si c'est bon pour toi, Matt. Dis-moi dans le chat. Hop. Je sais pas si t'es toujours là, Matt, ou pas. Mais dis-moi, parce que si je dois relancer le MTU, ça va me déconnecter et tout, tu vois. Donc c'est un petit peu pénible. Après, il faut relancer, il y a des temps de chargement, etc. Donc si t'es parti, je vais pas le refaire. Je sais pas combien de temps ça dure là, leur temps d'attente. Donc ils sont marrants avec leur bref délai là, mais sérieux, c'est combien de temps ce bref délai? Ouais, je crois qu'il est. Ah, t'es là, Matt? Ok, vas-y, bah, je vais relancer. Je vais relancer du coup le MTU. Tac, tac, tac. C'est dans quoi? C'est dans réseau. Et Nidbal, ouais, attends, je vais regarder ça après, Nidbal. Ok, c'est bon. Ok, alors. Du coup, t'es en session là,
Matt, tu es en session solo pour si tu veux déjà créer la session et genre tu m'envoies l'invitation, comme ça au moins on gagne du temps, tu vois. Ça, c'est Seb Looping, ça. Ouais, c'est cool, Seb. Bah, tu vois, il y a Seb qui nous propose de l'aide aussi, donc c'est sympa. Mais on va voir là. Ce qui me pose problème pour le moment, c'est vraiment ce truc de ce temps de latence là. Vous savez de combien de temps il faut attendre pour. Enfin, combien de temps il faut attendre pour. Avant de pouvoir relancer? Ah, tiens, nickel, vas-y, j'ai reçu, j'accepte. Ah, mais elle est pas mal celle-là, c'est celle que tu disais, Maga, tout à l'heure, je crois, la Cypher, non, c'est ça? Celle dont tu parlais tout à l'heure? Je remonte un petit peu dans le chat, voir ce que tu as mis tout à l'heure. Je crois que tu as parlé de ça, de la Cypher, il me semble. Ah non, la Growler, non, ok, d'accord, la Pfister Growler, ok, je sais pas laquelle c'est celle-là, j'ai pas regardé, la Growler, ok, ouais, c'est pas celle, non, je sais pas laquelle c'est la Growler, je n'ai pas de souvenir, mais c'est une vieille ou c'est une récente? C'est bizarre qu'il m'ait foutu ici. La cipher est précise, d'accord, ok. J'aime bien ça. Alors. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ok. J'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de m'habiller bien là, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc ok, donc il vient de nous appeler Franklin là, donc ça y est, visiblement on a rendez-vous au club de golf là pour aller rencontrer Dr. Dre. Et on est bien tout seul dans la session avec Matt, donc c'est cool. Nickel. Je vais t'inviter, enfin je t'inviterai Matt. Je pense qu'il faut qu'on soit dans le même groupe, non, pour que tu puisses participer avec moi à la mission. Donc je vais faire ça, si tu veux. Mais je vais pas t'inviter trop tôt parce que si je t'invite trop tôt, ça va. C'est t'as le risque de te faire attaquer tes centres de production. Enfin, remarque, comme si j'en avais quelque chose à faire, tu me diras. Alors, voyons voir. Je vais mettre le truc ici. Et du coup, ouais, tu sais quoi, en fait, je m'en fous. Donc, je vais t'inviter direct, Matt. Recruter des partenaires et voilà. Tiens, je t'ai envoyé l'invitation, Matt. Donc normalement, tu vas pouvoir me rejoindre. Je vais y aller en voiture parce que j'ai juste envie de conduire en fait. Ça m'avait manqué cet aspect de GTA. Surtout cette route que j'adorais. Comment ça tue? Ah bah tiens, regarde, il est là, Matt. Avec sa petite Porsche. Bon ben enchanté Matt, c'est la première fois qu'on se retrouve virtuellement dans un jeu vidéo, hein.
C'est cool, ça fait plaisir. Je vais y aller par là, moi. Je suis la route. Oh là là. Ah, je me rappelais plus de ces routes sinueuses de ouf là. Oh là là là, oh putain. C'était sûr que ça allait se terminer comme ça. Madame Baker? Non, je suis pas intéressé, merci. Non, non, j'ai d'autres priorités là pour le moment. On va aller avec Matt, on va aller faire la rencontre de Dr. Dre. Donc, du coup, je pense que c'est bon, t'as accepté, Matt, mon... Ouais, t'es dans mon organisation là, c'est bon. Je pense que... Ouais, c'est bon. Ok, vas-y, nickel. Allez, bah, c'est parti, Matt. Attends, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un petit peu l'inspection de ta voiture quand même. Je vais regarder. Comme dans GTA, dans Red Dead, je fais l'inspection des chevaux. Ben là... Je fais l'inspection de la voiture. Attends. Je veux qu'il me file ça là. C'est une petite Porsche, ça, voilà. C'est celle-là, celle que tu disais, peut-être. Comment elle s'appelle celle-là? Comment est-ce que je peux voir déjà? Attends, est-ce que je peux y rentrer dedans? Ah non, c'est la Comet S2. Elle est pas mal. Ah, elle est pas mal. Elle a de la gueule. Mais ça, c'est une sportive, par contre, je crois que c'est pas une super sportive, je pense. Non. Mais elle est pas mal. Ah, et les pneus, c'est excellent. J'avais pas vu, mec, qu'on pouvait mettre des pneus comme ça maintenant avec les écriteaux dessus. Ah, faudrait que j'aille faire un tour au garage, ça. On peut le faire avec toutes les voitures. Même les jantes, elles sont cool, celles-là. Ah, elles sont sympas, c'est des nouveaux modèles, ça. Je connaissais pas. Ah, bon, ben c'est cool. Allez, vas-y, Matt, si t'es prêt, let's go, on va aller voir. Ah, même le volant et tout, t'as mis dedans, il est custom. Ah, ouais, c'est cool. Pas mal, pas mal. Et il va falloir que j'aille faire un petit tour au garage là pour voir quelles sont les nouvelles options de customisation à côté desquelles je suis passé. Alors attends, comment on fait? Pour rentrer dans le clubhouse, bah vas-y, c'est parti, on rentre dans le clubhouse. Allez, c'est parti. C'est quoi ça en fait? Ah ouais, c'est ça, ok. Vas-y, je vais acheter les protections, vue imposée 100. Bon, ok, c'est parti. Let's go. Attends, tu sais quoi, je vais couper du coup là. J'ai coupé la face cam. Hop. Et c'est parti. Oh, la vieille tenue, mais t'es sérieux? Ouais, je sais pas. Vas-y, on va se mettre comme ça, allez, c'est parti. Ah, t'étais en train de livrer ton business de cocaïne, nid de balle. Ça rapporte gros, ça, je me rappelle.
C'est Dre ou c'est Tiger Woods? Je pense qu'il va falloir péter la gueule. Ok, bon, je crois que c'est parti. Oh putain, mais non, mais tu vas pas me dire. La dernière fois que j'ai fait une course de caddie, c'était dans Vice City et c'était à mourir d'ennui. Non, ok, il faut défoncer les voiturettes des golfeurs pour les intimider. Bon, bah écoute, vas-y. Hein. Bon, lui, ça y est, lui, il est mort, lui, ça y est. Lui, on l'a eu, Matt. Let's go. Vas-y, la suite. Bah non, mais tu sais quoi, il faut changer de voiture là. On peut pas prendre une voiture normale? Oh putain. Tu vois, genre, si on descend du caddie de golf, je vais pas le faire parce que j'ai peur que ça m'abandonne la mission, mais prendre une autre voiture pour lui rentrer dedans là, c'est ça qu'il faut faire en fait. Putain, je le rate. C'est bon? Ah non, il faut le suivre maintenant. Ok, suivez le golfeur. Vas-y, vas-y, mec. On te laisse partir, c'est bon. C'est bon. On te pardonne pour cette fois-ci. Les mecs ils sont à peine flag, c'est à peine en flag, ça va. Oh putain mais sérieux franchement quoi, elle est trop chiante cette mission mec. Ils auraient pas pu. Bon ils vont aller encore loin comme ça le mec? Au moins quand il accélère, au moins, enfin tu vois, on va pas à 2 à l'heure quoi. Oh là là, le mec il conduit n'importe comment, il rentre dans les mecs et tout. Ok. Je peux pas accélérer plus là, la vitesse est bridée en fait. Je suis à fond sur le joystick et. Allez, 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 cours là, pourquoi je peux pas courir? Vas-y, 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 pourquoi je peux pas? Ah voilà, allez, allez, allez! Tape-le!
C'est bloqué, je peux rien faire. Ouais, vas-y, vas-y, on va défoncer. Tiens! Ouais, on préfère ça. Oh là là, 7950. Oh, j'ai l'impression qu'on est de retour en 2013, quoi. À l'époque, on se faisait les vieilles missions de contact qui rapportaient pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Cette mission, elle n'était pas forcément très passionnante, mais en même temps, c'était aussi, je pense, une mission pour introduire, en fait. C'est plus une cinématique élaborée, on va dire. Bon, pour moi, ils auraient pu se passer de cette petite phase en caddie de golf parce que ça apporte pas grand-chose d'intéressant. Mais bon, manière 2, en tout cas, c'était pas mal. T'as acheté la Toreador Nidbal. Je sais pas laquelle c'est la Toreador, donc je pense pas l'avoir achetée. J'en ai une qui s'appelle la Torero, je crois. Il me semble. Si, ou la Toro, je sais plus. Je sais plus en fait. Je m'en rappelle plus. Mais bref, donc voilà. Donc écoute, c'est pas mal. Je vais en rester là pour le stream. Sur GTA Online, les gars, pour cet après-midi. Mais en tout cas, c'est une bonne petite entrée en matière. J'ai bien kiffé. C'était cool au final de te rejoindre aussi, Matt. Donc, écoute, Matt, est-ce que tu as accès à mon Discord? Je vais t'envoyer accès à mon Discord, Matt. Comme ça, au moins, on peut parler, tu vois. Et comme ça, si jamais je refais un petit stream sur GTA Online, je t'invite. Et comme ça, on peut se faire une petite session, etc. Et on peut jouer à deux, direct. Si ça te va, Matt. Mais c'est quoi ce canon que t'as? Le mec, il sort un canon laser. Au calme, il n'y a pas de problème. Mais voilà quoi. Donc, ouais, Matt, je te dis, je sais pas où je peux te contacter d'ailleurs, en privé pour t'envoyer le lien du Discord. Je vais le faire sur. Bah, je vais le faire là sur le PSN. Je vais t'envoyer le lien du Discord sur le PSN. Et comme ça, tu peux rejoindre et tu peux. Enfin voilà, comme ça, dès qu'on parle, etc. Dès que je lance une petite session, je préviens en avance, tu vois. Et comme ça, si tu es dispo, bah, voilà, tu me rejoins et puis nickel. Ok. Si, il y aura une petite surprise ce soir, les gars. Je sais pas si vous avez vu. Je vais lancer un petit stream ce soir à 21h30 sur Red Dead pour le coup. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il me dit, Franklin? Pas de souci, Franklin, on va passer. Donc, tu as vu, Franklin, il nous a appelé à la rescousse là. Donc, très bien, nickel. Donc, voilà, dès que je vais relancer un petit stream, je pense que je vais continuer comme ça parce que j'aime bien. J'ai bien aimé cette entrée en matière. Et puis, voilà, et puis je ferai ça sur Twitch de toute manière. Histoire de. Ah, c'est une nouvelle bagnole, ça. C'est la Italie GTO. Je l'ai aussi, celle-là. Elle est magnifique. Elle est très, très belle. Cette Italie GTO, j'adore. Mais bref, voilà les gars, donc c'est tout pour ce stream pour cet après-midi. J'étais en train de vous dire que ce soir, je vais lancer un petit stream sur YouTube cette fois-ci. Donc si vous ne me suivez pas, allez faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Je vais lancer un petit stream sur Red Dead Online ce soir, histoire qu'on découvre avec les gars les nouvelles survies de Noël. Donc voilà. Donc rendez-vous ce soir à 21h30 si ça vous intéresse. Et puis sinon, je vous dis, je pense que je vais continuer comme ça. Je sais pas quand, probablement le soir sur Twitch un petit peu là. Parce que voilà, histoire de la terminer. Et pourquoi pas, si ça me plaît, si je suis lancé, pourquoi pas découvrir aussi ensemble les autres mises à jour à côté desquelles je suis passé.
plutôt desquels je suis passé à côté. On va remettre les mots dans le bon ordre, ça va être mieux. Mais voilà, à savoir Caio Perico, le braquage du casino que j'ai jamais fait. Donc voilà, ça pourrait être sympa et pas mal. Allez, à plus tout le monde, je vous souhaite une bonne après-midi tout le monde. Et puis rendez-vous ce soir du coup sur YouTube à 21h30 pour le live sur Red Dead Online. Allez, à plus les gars, ciao ciao.